territoire, vous êtes toujours le bienvenu dans cette magnifique ville de Fargis. Mesdames et messieurs les maires, voisins, merci à vous de me soutenir dans cette épreuve. Mesdames et messieurs les élus, messieurs les gendarmes et les pompiers, pour lesquels j'ai une pensée particulière, pour les forces de police aussi, pour la gendarmerie, qui vivent des moments difficiles tous les samedis en ce moment, je pense même qu'on peut les applaudir. Mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les bénévoles, mesdames et messieurs les membres du personnel communal, mesdames, messieurs, dans les moments de doute et d'inquiétude que nous vivons, mes voeux s'adressent à tous ceux qui souffrent. La commune participera à la consultation nationale annoncée comme il se doit. J'adresse mes remerciements sincères au personnel communal, aux élus et aux bénévoles sans lesquels rien ne se ferait. Le dernier recensement de la population fait apparaître 889 foyers pour une population de 2038 habitants, ce qui prouve une certaine stabilité de notre population. L'état civil fait apparaître 12 naissances, dont une sur la commune, ce qui est exceptionnel, c'est très rare pour le dire. Donc nous avons une naissance sur la commune, nous avons 8 mariages et malheureusement on déplore 17 décès. Concernant l'année 2018 et nos écoles, les effectifs sont les suivants. Nous avons à l'école élémentaire 100 enfants pour 4 classes. À l'école maternelle, nous avons 62 enfants pour 3 classes. Les enfants de l'école élémentaire ont profité de sorties. Les CM1 et CM2 ont passé une semaine à Cancale, en classe de mer, au mois de juin. Les autres sont allés aux eaux de Beauval. Mais le choix de revenir à la semaine de 4 jours, qui a été retenu par une très grande majorité de parents et d'enseignants, a eu pour conséquence un impact important sur la fréquentation du centre de loisirs. C'est aussi la reconnaissance d'une équipe d'encadrement efficace et appréciée, qu'ils en soient remerciés. Concernant nos travaux, le chauffage de l'école élémentaire est maintenant assuré par des chaudières à gaz et la cour de l'école maternelle a été reprise. Tout au long de l'année, nos travaux ont été guidés par l'arrivée de la fibre. Cela nous a conduit à accélérer l'effacement des réseaux aériens qui suffitaient rue de Saint-Benoît, rue des Vaux-de-Cernay et rue du Pont des Murgers. La réfection des trottoirs a été refaite rue de Saint-Benoît et rue des Vaux-de-Cernay. Mais aussi, nous avons réalisé l'assainissement collectif chemin des deux pavillons. Nos agents des services techniques assurent l'entretien quotidien des bâtiments, des chaussées et des espaces verts. Et bien d'autres tâches encore, nous avons la chance d'avoir une bonne équipe à Offargis. Je les remercie, j'en profite pour les remercier, car on a vraiment des gens qui travaillent sur la commune. C'est important de le rappeler. Concernant l'assainissement, nous avions constaté, en période de pluie, jusqu'à 100 mètres cubes d'eau parasite jour qui arrivait à la station d'épuration. C'est énorme, 100 mètres cubes jour. Et donc, nous avons réalisé un chemisage sur 1900 mètres de canalisation. Concernant l'urbanisme, il y avait deux projets de lotissement. L'un a été accordé, rue des Vaux-de-Cernay, pour 17 lots individuels, pour lesquels les constructions vont débuter prochainement avec un collectif de 8 logements sociaux imposés par l'État. Le permis de construire de ces 8 logements sociaux est en cours d'instruction. Un second projet de lotir était en instruction, rue Creuse, mais celui-ci a été reporté à une date ultérieure inconnue pour nous, puisque les services de l'État ont demandé une étude faunistique et floristique sur 4 saisons. Ces mêmes services refusent l'utilisation de la zone des 50 mètres en jardin que nous avions prévu, ainsi que la construction du bas du terrain sur lequel étaient prévus des logements sociaux, considérant qu'il s'agit d'une zone humide. À l'heure actuelle, nous ne savons pas si un projet ressortira sur ce terrain ou pas.
Un mot sur votre facture d'eau. Alors que nous avions obtenu une baisse sensible du tarif de l'assainissement, facturé sur votre consommation d'eau potable, en changeant de prestataire, cette baisse est totalement passée inaperçue du fait d'une négligence du fournisseur d'eau potable. Résultat, eh bien, nous avions obtenu une baisse quand même conséquente de 40 centimes du mètre cube pour vous. Nous étions avant à 1 euro du mètre cube la part d'assainissement. Eh bien, nous sommes à 60 centimes, mais personne ne l'a vu parce que eh bien, l'information n'a pas été bien diffusée du côté du prestataire. J'en arrive au fait marquant de 2018. Les précipitations du mois de juin, que nous avons déjà connues en 2016, ont occasionné des dégâts semblables à ceux de 2016. Maisons et caves inondées, dégradation de chaussées. Et puis, fait plus important et plus inquiétant, une partie de la digue en terre du haricot du Perret s'est effondrée. Ce qui m'a conduit, face au risque d'inondation d'une partie du village, à demander de très bonne heure le matin l'évacuation des maisons qui se trouvaient en contrebas. Mais en tout cas, heureusement, il y a eu une grosse réactivité, justement, de M. Chopy et Lambert et des services techniques, et puis aussi de M. Lebrun du Smagère. Comme vous avez pu le constater, le fleurissement du village se poursuit et nous avons obtenu un troisième pétale au concours des villages fleuris. Le thème de cette année était le fleurissement des centres et des trottoirs et nous avons obtenu le premier prix. Félicitations à tous les administrés qui œuvrent pour améliorer le fleurissement du village et remerciements à M. et Mme Lambert qui s'investissent beaucoup dans ce concours. La très bonne nouvelle pour nous est arrivée en fin d'année. Suite au vote de la loi Elan, assouplissant la loi SRU, qui nous imposait de construire 25% de logements sociaux. Ainsi, nous ne sommes plus obligés, ni pénalisés par cette loi totalement absurde et inacceptable, qui nous a tout de même coûté, en 3 ans, 132 000 euros. Mais ça ne nous empêchera pas de construire des logements aidés, mais en harmonie avec l'évolution du village. Voilà résumé les faits marquants de l'an passé. Avant d'aborder les projets 2019, je souhaite évoquer avec vous l'arrivée de la fibre qui nécessite quelques explications. Face à la lenteur de tout ça, le département a décidé de créer un syndicat Yvelines Numérique. Pour justement accélérer, le département a fait une consultation d'opérateurs à laquelle Orange, SFR et Bouygues n'ont pas répondu. Et face à cela, ils ont attribué à TDF le marché pour déployer la fibre dans tous les villages qui étaient dépourvus. Alors, quand tout ça a été fait, d'un seul coup, on a vu arriver Orange. Monsieur le maire, je veux vous voir. Pourquoi ? Parce que dans 6 mois, on vous met la fibre. Merveilleux. SFR arrive, la même chose. Monsieur le maire, dans 6 mois, on vous installe la fibre. Alors, il y avait quelque chose qui était déterminant pour nous, c'est que TDF avait des contraintes de délai et avait aussi une contrainte importante pour nous qui avons des écarts. Ils avaient la contrainte de couvrir tout le village. Parce que qu'est-ce qui serait passé si nous avions choisi Orange ? Orange aurait peut-être desservi le cœur du village, là où il y a le plus de population. Mais les hameaux, ils n'étaient pas prêts de voir la fibre. Donc, on a choisi TDF. TDF avance normalement dans le déploiement de la fibre. Pour l'instant, ils sont dans les temps qu'ils étaient impartis. En revanche, à l'heure actuelle, les propos des gros opérateurs, c'est de dire « nous ne viendrons pas ». Bouygues a pourtant un accord avec TDF. Et puis, on a quelques petits opérateurs. Alors, il n'est pas impossible que l'on soit contraint, pour ceux qui ont vraiment besoin de la fibre, de prendre des petits opérateurs pendant 1 an ou 2, jusqu'à ce que, enfin, les gros opérateurs se décident de venir. Alors, il y en a quelques-uns. Alors, certes, ces noms ne vous diront peut-être rien, mais je les ai quand même nommés. Il y a Vidéo Futur, Nornet, Canet, Ozone. Sincèrement, moi, ça ne me disait rien. Mais c'est des gens qui seront prêts. Je pense qu'au printemps, mois de juin, certains pourront être raccordés. Concernant la vidéoprotection, nous avons pris un petit peu de retard, mais nous sommes en train de rattraper ce retard parce que tout simplement parce que nous avons obtenu
une subvention de la région qui nous permet d'engager la consultation des entreprises pour une réalisation en concertation avec la gendarmerie, nous l'espérons, avant les grandes vacances. Notre cimetière, nous allons relever une soixantaine de tombes qui sont en état d'abandon. Refaire les allées, car sans désherbant, elles sont très difficiles à entretenir. Nous allons aussi aménager l'entrée et réfléchir à une extension du colobarium. Et puis, dans les projets 2019, nous allons relancer l'aménagement de la place de l'Arsenal. La consultation sur l'intention architecturale que nous avions lancée a permis d'affiner nos réflexions. Mais c'est un projet important pour lequel nous ne pouvons pas nous tromper. Nous vous tiendrons informés de l'avancée de ce projet qui doit tenir compte des besoins de stationnement qui manquent cruellement, de l'intégration dans le tissu bâti existant et bien entendu de nos capacités financières. À ce propos, nous avons déjà obtenu une subvention de l'État conséquente. Enedis nous a informé qu'ils avaient un projet de renforcement des réseaux électriques enterrés qui traversera tout le village. Cette ligne moyenne tension arrive par la route du Perret, elle tournera vers Villecoin, elle prendra la sente de la Fontaine du Haut, la rue du Pont des Mangers, traversera la place des Fêtes et les titres de Mère de France, descendra la rue de la Chicane, la rue des Hauts-de-Cernay pour remonter vers les Essarts. Nos autres travaux projetés, nous allons étudier la réhabilitation ou transformation en roselière de la station d'épuration de Saint-Benoît qui a 40 ans. Et nous préparons un marché pour le curage des différents fossés du village, Saint-Benoît, au Brûlin, au Buisson. Nous réparerons aussi la voûte qui est effondrée aux carrières. Vous le savez, notre commune appartient à la communauté d'agglo Rambouillet Territoire. Celle-ci est composée de 36 communes, 78 000 habitants. J'en arrive, mon cher Marc, à notre école intercommunale de musique. Je soutiens la demande de notre école intercommunale de musique, l'AEDEMA, de voir sur nos trois communes, le Perret, les Essarts et le Fargis, s'établir un conservatoire où la reconnaissance par convention de cette école de musique intercommunale qui est importante pour nos villages. Chacun sait que nos enfants ne peuvent se déplacer à Rambouillet ou à Saint-Arnoult pour prendre des cours de musique. Nos communes financent par convention l'AEDEMA, mais la disparité est grande sur le plan financier pour les parents entre le coût d'un cours dispensé par l'AEDEMA et celui du conservatoire. Pourtant, l'AEDEMA est très bien gérée par des bénévoles, il faut le préciser, mais évidemment, les subventions reçues ne sont pas les mêmes que pour un conservatoire, ce qui crée toutes leurs difficultés. Alors, au sein de la carte, je sais que nous travaillons à l'élaboration d'un projet de territoire. Outre la mobilité primordiale et nécessaire à nos territoires ruraux, l'accès à la musique pour nos enfants est important, il faut le comprendre. Je dois aussi aborder la situation financière de notre commune. En fonctionnement, le budget 2018 dégage des recettes à hauteur de 1 805 000 euros et des dépenses à hauteur de 1 447 000 euros. Ces chiffres montrent que nous avons maîtrisé nos dépenses de fonctionnement puisqu'elles sont en baisse de plus de 5% par rapport à celles de l'année précédente, tandis que les recettes de fonctionnement sont malheureusement elles aussi en baisse. La dotation forfaitaire, en 2015, elle était de 206 000 euros. Elle est en 2018 de 115 000 euros, soit une baisse de 43% en 3 ans. Vous comprenez qu'avec tout ça, ce n'est pas toujours facile. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé à préparer cette cérémonie, dont vous retrouverez les meilleurs moments sur le site de la commune, remarquablement géré par notre caméraman ici présent. Vous pouvez y aller, il est complet. Il filme toutes les opérations, tout ce qui se passe sur la commune. Je remercie les agents des écoles élémentaires, maternelles, qui ont une lourde charge à surveiller les enfants. Je remercie aussi les présidents d'associations, je l'ai dit tout à l'heure, sans qui rien ne se ferait. C'est important.
Et puis, n'oubliez pas de faire travailler nos commerçants. Si vous voulez garder une âme et une vie à notre village, eh bien, n'hésitez pas à les faire travailler. Et puis, puisque c'est le moment, nous avons ouvert un cahier de doléances à la commune, si vous le voulez. Mais je termine comme d'habitude sur ce qui est une préoccupation normale de tous les administrés. Vos taux d'imposition communaux, ceux que nous votons, nous, eh bien, pour la 18e année consécutive, vos taux communaux n'augmenteront pas. Bonne année à tous!